Coucou mes gens, cognez les partages mes bébés. Cognez les partages. Dosez-nous les partages mes amours. Dosez les partages. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour la lionne, je te trouve très belle dans ta mini coupe. Merci Carole Nia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez le direct, mes bébés. Merci Carole. Carole. Les Caroles. Les Caroles sont les filles cool, mais pas faciles à manipuler. Pas facile à manipuler, très intelligente, les Caroles. C'est de ça qu'il s'agit. Cogner les partages, mes cœurs. Venir, on cogne 1 heure de temps ensemble. Merci, maman parfaite, Edgar. Maman, la plus belle. Merci. Partagez mes cœurs. Dès que vous entrez dans le direct, la première des choses, cognez-nous les partages. Dosez-nous assez de partages. C'est-à-dire que, jusqu'à ce que, quand on regarde les partages, on tremble. Cognez-nous les partages. Nous sommes à presque 20, donc dosez les partages. Vous faites 5 partages par personne, c'est déjà bon. 5 partages, c'est bon. Et ça ne vous coûte rien. Thank you, mommy. Me too. L'anglais de ça. Me too. Me too. Mama Payfuck. Me too. I love you so much. Dosez les partages. Saccagez les partages. On a 1 heure de temps. Sur le fombo. Et ça ne chauffe pas. Écrasez les partages. Une heure de temps. Ça ne boue pas. Coucou, ma lionne. Trop bel bisou. Merci, Francisca Zibi. Tu es vrai, Francisca Zibi. Ça fait un moment, je te vois plus. Tu étais là la dernière fois, non? Tu es venu peut-être en retard. Ou bien je me trompe. Tu es rare. Tu es rare maintenant, hein? Oxyowalk avec les écouteurs. D'accord, maman, d'accord. Cognez les partages. Cognez les partages, mes cœurs. C'est tout ce que je vous demande. Dosez les partages. Saccagez les partages. Bipez-moi le faux mot. Bipez-moi le faux mot. Le faux mot Dorcas, alias femme mariée, déçue terriblement. Alias soi-disant femme mariée, déçue terriblement par son gigolo. Alias femme soi-disant mariée qui a signé forfait. Qui a dû abandonner son foyer pour aller draguer les hommes aux États-Unis. Et jusque-là, elle n'a pas pu se trouver un mec, hein, qui va enlever les toiles d'araignée sur son pétou froissé. Coucou, la pâté d'une dé. C'est comment ma sis? Cogne-nous les partages, ma soeur d'amour. Bisous là-bas. Bisous là-bas. J'ai dit, le Fombo n'a pas pu, elle a abandonné son foyer. Le Fombo a abandonné son foyer au Cameroun. Elle a déclaré forfait aux petites filles. Elle est allée aux États-Unis. Elle passe son temps à draguer les hommes. Elle drague en bas. Elle drague en bas.
Personne aux États-Unis n'a accepté enlever les toiles d'araignée sur le Kwetu. Le Kwetu le plus froissé de la planète Terre. Le volume est bon? Le volume est bon? Je suis dans la nouvelle maison. Je n'ai pas encore de wifi. La nouvelle maison. Voilà pourquoi je suis rare. Ah ouais, voilà, j'ai bien constaté. Tu es quand même à quota depuis. Donc, je savais, momie, je savais. Je savais que tu es... Parce que tu es rare. Le Fombo, viens prendre ton petit déjeuner. Ton café chaud. Ok. Je vais faire quitter Flo. Je vais te faire quitter Flo. Flo, je vais te faire quitter sur les réseaux sociaux. Flo. La personne même, on ne voit même pas. Maman, même Coco, qui disait qu'elle a tous les secrets de Mafo, n'a pas pu faire quitter Mafo sur la toile. C'est toi, avec ton poitou froissé là. C'est toi la vieille peau, qui n'a même qu'aucun homme n'a accepté enlever les toiles d'ailleurs. Même les vieux Watts du state. N'a pas accepté enlever les toiles d'araignée sur ton poitou froissé. Hein? Que le yao, que le on l'appelle comment? Le vieux père l'est là, a abandonné depuis longtemps. Personne n'a pu enlever les bêtises sur toi. C'est toi là qui viens vous dire que tu vas terrasser. Que toi-même, tu m'as dépassé. Le FOMO, tu m'as dépassé pour dire que tu vas aller sur flotte. Tu. Ça va pas? Ça va pas? Le FOMO, tu as quel problème avec la maison que Flore de Lille veut construire, Mafo veut construire? Tu as quel problème? Tu es venu sur la toile que wow, elle ne te dépasse, elle avait rien. On t'a dit que montre-nous le titre foncier, tu ne montres pas. Montre-nous l'acte de mariage, tu ne montres pas. Montre-nous la photo, tu ne montres pas. Et tu continues de parler. Tu es comme une guignole devant tout ce que tu parles là. Quand j'ai fait le direct sur la page de Lolo, ça lui fait mal. Calme là-bas. Hé, le FOMO, calme là-bas. Je suis une star. J'ai fait la publicité, il y a une soirée qu'on a gagné. Eri, le FOMO. Le FOMO. Vous organisez la soirée. Tu es en train de défendre la reine des ténébreuses. La sœur de la voix de crapaud. Hein? La seule fille qui parle, on ne comprend rien. Mais t'as encore soumis que la bêtise qui a la voix de crapaud là. Une sale fille. On ne dirait même pas qu'elle vit en Allemagne. Cette voix de crapaud là, depuis que tu cries dans Meta, on ne te suit pas. Hein? Même quand tu mets le volume, bêtise de ta nature, tu peux parler de moi? Hein? Voix de crapaud, tu peux parler de moi? Depuis que tu cries, on ne te suit pas. Tu es là scotché derrière les ex des gens. Tu te pavanes avec les pipis aux fesses. Une bêtise de la nature comme ça, tu peux... Je te réponds. Après, aujourd'hui. Je vais pas vous donner l'heure. Je vais vous malaxer. Vous êtes deux. Je vais vous ken. Hein? Tu as la soirée aux États-Unis, le FOMO. Cognez les partages, non? Oh. Cognez les partages, mes bébés. Mes mamans d'amour, cognez les partages, mes tatas. Coucou, Warren. Cognez les partages. Dosez-nous les partages. Assez de maximum de partages. Le FOMO. Tu dis quoi? Le FOMO. Le FOMO. Tu organises la soirée aux États-Unis. Tu organises la soirée aux États-Unis. Vous organisez la soirée aux États-Unis. Tu es incapable de faire en sorte qu'on invite la reine des ténébreuses. Tu es installé sur sa page et tu fais la publicité des soirées. Ça te coûte quoi de l'inviter? Ça te coûte quoi de l'inviter?
C'est votre star, non? Vous avez dit que wow, elle dépasse tout le monde, non? Le FOMO. Pourquoi tu es ingrate? Pourquoi tu es si méchante? Pourquoi tu es si méchante? La soirée que tu organises aux États-Unis, pourquoi tu n'invites pas la reine des ténébreuses? Ténébrita. Hein, la sœur de la voix de crapaud, la seule fille qui vit en Allemagne qui pue les pipis à distance. Minda. Minda, elle prononce pas ton nom. Pétasse. Une fille comme Binda, on met l'enfant au fuit. On Binda, on met l'enfant au fuit. Hein? Zéro papier depuis que tu es en Beng. C'est ce qui est peut-être même quand on l'invite même à la sous-préfecture ou je ne sais pas dans les ambassades. Quand elle parle, rien que sa voix, ça montre que c'est une salope. On va te donner les papiers comment? Binda! Sumeta, tu n'as pas réussi à te faire un nom. Ta propre sœur ne t'a pas fabriqué. Ta propre sœur ne t'a pas fabriqué. Tu allais te rallier avec tous les ennemis de la Nomba Uno. Ça ne t'a pas fabriqué. Tu as tout fait dans mes temps. Tu marches même avec les marabouts qu'on appelle les généraux Lolo Pipi. Ça ne t'a pas fabriqué. Tu vois pas qu'il faut aller te laver au village? Voix de crapaud. Tu ne vois pas qu'il faut aller te laver au village? Rien ne prend sur toi. Tu n'as pas de goût. Tu es sans saveur, inodore. Rien. Tu n'es pas agréable à regarder. Tu n'es pas agréable à écouter. Regarde-moi. Quand je parle, on me regarde. On a envie même de me toucher. Regarde-toi. Sale. Tu pues la mettre. Elle me parle que son frère, quel frère? Le drogué là. Ne me fais pas parler. Hein. Ne me tente même pas. Ouais, j'ai pris tous les renseignements possibles. Donc, n'essaye même pas de tutuber avec moi. Une sale fille comme ça. Difficile à fabriquer. Difficile à tout faire. Maudite comme tout. Une poisseuse. Tu veux, c'est toi qui vas venir me parler, Mbinda. Tu vas venir me parler. Et puis quand Mbinda, s'il est moto, moi, tu as les preuves. Même si tu poses les preuves, je dis que... Même si vous avez mon caleçon, mon couetou, mes amours, mes mamans chéries, j'ai déjà dit ici que si quelqu'un a mon couetou qui poste, il y a un autre froissé qui a lancé le direct sur moi. Je l'ai appliqué une seule fois le go. Elle a changé de direction, c'est Pavane maintenant chez Kento. L'autre perdu de Kento là. Maman a aide-moi à détester. Et maman a frustré. Les gens, même les têtes percées, même, elles sont remplies sur la toile, elles nous saccagent les vues. Hein, elles nous saccagent les oreilles avec les voix de les voix qui nous dérangent les oreilles. Une fille, y'a dit que, voix de crapaud. Il faut envoyer, achète le coq. Tu achètes une tine d'huile rouge. Tu achètes un sac de sel. Tu achètes un sac de riz. 50 kilos. Ma, tu envoies au village. On te lave même à distance. Tu es maudite. Quand je parle de toi, j'ai envie de vomir. Tu es maudite. Tu es salope, toi. Wagenom, tu es sale. Doti, tu parles de moi? Moi là, voix de crapaud, tu vas dire quoi sur moi? Comme moi, je vais m'arrêter pour écouter. Mais dis donc, tu me connais mal. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien dire sur moi. Y'a des gars, si vous parlez, vous n'avez pas mon couetou. C'est que vous n'avez rien fait. Je suis sur le FOMO. Je suis sur le FOMO. Et ça ne va pas changer. Je soutiens total à Madocas. Tout le monde n'a pas pu te fabriquer. C'est moi qui vais venir transpirer pour toi. Voilà, bêtise comme une sale fille. Imbécile, va choigne. Parle les sales filles qui se retrouvent dans les bordures d'Allemagne. Hein, qui vivent dans les maisons qui puent la main, me parle. Même quand tu me caricatures. Hein? Vois le crapaud. Même quand tu me caricatures. Je suis belle. Mais toi.
Rien. 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 Ça ne sort pas. Oui, parce que tu es vilain. L'air drôle, mal formé. Sale chose comme ça. Elle nous pollue l'air dans Facebook. Qui a pu. S'il fallait qu'on te fabrique, c'est que les cocos et tout. Les tata Nadège là t'ont fabriqué. Tu es difficile en tout. Elles t'ont donné les coups de main partout. Elles t'ont tenu la main. Elles ont tout fait. Pourquoi tu montes un peu comme ta soeur? Rien. T'es rien du tout. Je sais ce que tu dis que. Eh, manquer soutien total. Soutien total. Tu soutien total. Depuis que tu soutiens total ta soeur, ça a donné quoi? Mon atomisme, ma soeur, comme elle vous lâche pas. Eh, hey, voix de crapaud. On atomise ma soeur, comme elle ne vous lâche pas. Non, 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 non. Je ne vous. Eh, hey, je fais du sale. Tu parles d'abord, on ne te comprend pas. Coucou, Flo la douce. Tu parles d'abord, on ne te comprend pas. Et c'est moi, tu veux t'attaquer à moi? Ouais, crapaud, tu es né. Tu es qui? Tu n'es personne. Nous n'aimes. Difficile depuis des années qu'on te fabrique. Hein? Regarde une blogueuse comme ta soeur là. Elle fait tout pour te fabriquer. Rien. Voilà le fombo. Le fombo est venu, elle te dépasse. Et tous les jours, tu fais les posts sur elle. Moi, je ne partage pas les likes de n'importe qui jalouse. C'est ton travail pétasse. Ton travail, c'est rester dans les sous-marinages. Hein, t'accrocher sous les ex des gens. Hein, fais les sales coups. Dis donc, va là-bas, va te cacher dans les mamies des marabouts. Pétasse, va. On va parler des gens. Toi, tu viens parler, toi. Hein, ta voix d'abord. Ta voix d'abord donne les nausées. C'est-à-dire, quand je t'écoute, j'ai envie de vomir. Tu viens nous parler ce qu'a dit que t'as la fille d'un papimouf. Pétasse, va. Joins. Tu peux me clasher. Voix de crapaud. Toi, tu peux faire match avec moi. Sale fille, va là, va te laver avant de venir me parler. Va te laver. Tu peux être comme moi. Tu peux briller comme ça. Tu peux être présentable comme ça. Hein? Il y a les peaux noires. Les peaux noires qui brillent. Quand je regarde la lionne, je sens que je la relève assurée. Ouais, Flo la douce. Regarde-toi, ma chérie. Tu vis en Allemagne, moi je vis au Cameroun. Regarde, quand on dit noir propre, regarde le teint de Priscaline. Tu parles un peu tes meilleurs là-dessus. Là. On dirait que tu vis dans la poussière comme nous, maman. Hé! C'est quoi ça? On dirait que tu vis dans la poussière. Voix de crapaud. Et quand tu viens me parler, tu me parles, putain! Tu me parles! J'ai envie de te manger. Mais seulement tu n'es pas mangeable, tu es sale. Mmh! Tu pues la mettre. Tu numba. Qui va même t'approcher pour dire que t'es humé? Putain. Les hommes qui tournent avec voix de crapaud, ils font. C'est comme ça. On finit, on jouit dedans. Elle élargit, c'est au sale corps, la pourrite, comme tout. Elle me parlait ce qu'a parlé de son frère qui a voulu me violer. Hmm? J'ai dit que j'ai les renseignements. Et ça, une salope comme ça, tu peux parler de moi? Une bêtise. Moi, non. Je suis une actrice qui est. Hey, voix de crapaud. J'ai ma part, non. C'est la dimension. Il n'y a pas mon deux. Bêtise comme ça, là. Une fille qui est sale. Tu viens te présenter sur la toile. Qui a tous les filtres du monde. Tu filtres fatigué, rien. Tu as utilisé tous les filtres de Facebook. Tous les filtres. Mes amours, voyez les étoiles, non, mes bébés. La lumière divine, traitez-moi là. Hein? Tu as utilisé tous les filtres qui existent dans Facebook. Rien. Coco Kwetu a sorti toutes les informations pour t'aider. Rien. On vient t'aider dans tes directs. Rien. Te voilà qui combat le fombo. Quand tu veux rien qu'elle parle de toi, tu viens dire que ce tien t'a là, Amad, ma part, l'autre perdu femme aux États-Unis. Il y a derrière le fombo. La soirée que tu organises là, c'est interdit d'inviter la reine des ténébreuses. Tu as dit que tu peux, non?
Tu as dit que c'est votre star. Oh, elle dépasse. Invite-la aux États-Unis à la soirée. Là, on voit. On ne parle pas trop. La Mafo, il n'y a pas une de ces relations qui peut organiser une soirée sans inviter Mafo. Sans l'inviter, ça n'existe pas. Vous êtes autour d'elle, vous l'entourez avec les clashs, les pipis, la senteur bizarre, les, tout est mauvais autour de vous. Et autour d'elle, vous l'entourez de poisses. Elle te cache rien du tout. Te cache rien du tout. Rien que, je dis que, vraiment, votre reine, elle doit se débarrasser de vous. La seule même qui l'encourage un peu, c'est celle qu'on appelle Tata Julien Sombi. Elle là, elle fait un peu pour la reine des ténébreuses. Mais vous là, vous êtes des poisseuses. Hein? Faut voir là, l'autre péteuse de Général Lolo. Ouais. Les têtes, les filles, les femmes bizarres. Vous voyez, nous perturbez, vous nous dérangez la vue avec les filles bizarres. Hein? La fille qu'on appelle voix de crapaud là. Vous-même, vous ne voyez pas que entre, si quand je parle d'elle, vous avez l'impression que je suis comme elle. Hein? Vous avez l'impression que je suis comme elle? Voix de crapaud, regarde. Quand j'arrête même le verre. Putain, c'est, mais c'est beau à voir. Quand je parle, comme regarde, on a envie de me lécher. Hein? Regarde. Je suis bien à voir. Mais toi? Doti, sale. On sent que les hommes font l'amour que quand on fait, on part. Qui va rester avec toi? Voix de crapaud, quel homme? Si tu es quitté du Cameroun, tu es arrivé en Allemagne. Tu es arrivé en Allemagne, aucun homme, même un vieux blanc, ne t'a pas assumé. Coucou, lumière divine. Aucun blanc vieux what ne t'a pas assumé. Ya, yeah. Achète le sel, le tin d'huile, le riz, envoie au village. On te lave. Si on accepte, hein, parce qu'on peut envoyer, on dit que hey, celle-là, non, c'est la tombe. Oui, salope va, chouan. Tu peux parler de moi. Tu peux parler de moi, voix de crapaud. Va te laver. Brosse-toi bien. Et je suis sûr que même si on utilise le kuchambeng, hey, même si on utilise le kuchambeng pour frotter ton corps avec, tu ne peux pas devenir propre. Regarde, une page de près de 280 000 personnes te fabrique fatigué. On t'a jamais fabriqué, on n'a pas pu. Tu viens encore parler fort devant les gens, maman. Va te cacher. Allez, ma femme, va là-bas. Va là-bas. Va te cacher. Toutou. Va te cacher. Même te laver depuis longtemps. Tu n'as pas pu. T'as pas pu. Avec tous les chocos, tout ce qu'on t'a donné sur la toile. T'as pas pu. Te laver. T'as pas pu devenir propre avec tous les eaux potables. Tu as dit que je suis dans la poussière au Cameroun. Mais regarde-moi. On dirait que c'est toi qui vis dans la poussière au Cameroun. Même la poussière là même étonnée. La poussière même ne t'accepte pas. La boue. Le gnomnia. Même dans la boue. La boue n'accepte pas ta qualité là, maman. Tu es désagréable à regarder. Sale. Ndoti. Ndoti. Une femme peut être sale comme ça. Une femme peut être sale comme ça. Sale comme tout. Maman, Odé dit que je ne sais pas si elle connaît ce qu'on appelle goma. Elle a gommé fatigué, rien. Et donc vous la voyez comme elle ne connaît pas le gommage. Elle a déjà gommé fatigué, te cœur rien du tout. Vous voyez une sale fille comme ça, la soeur d'une grande blogueuse. Elle n'a pas pu. Regarde-moi. Je suis venue et te trouver sur la toile. J'ai eu combien de publicités? Toi, on n'a rien. Jamais rien. Désagréable à vous en tout. T'es que rien du tout. Tu n'as pas de saveur. Une odeur. Rien. Pas de goût.
Tu veux venir me parler? You come to talking for me. My God. Tu as les couilles, hein, mamie? Qui t'a envoyé? Tu as les dents, tes testis, tes sales fesses qui sont noires comme tes pourritures de là, ce qui nous bat la merde là. Donc tu as osé poser ta caméra pour me parler? Une pétasse comme ça, dis donc. Dirty woman. Donc on va parler, toi tu viens parler, Binda. Passons sur la senteuse là. Le Fombo. La soirée que vous organisez aux États-Unis, tu attends quoi pour inviter la reine des ténébreuses? Tu as dit que oh, c'est monté ou oh, c'est descendu. On a dit oui, on veut comprendre. La soirée là, pardon. Tu attends quoi pour inviter la reine des ténébreuses? Venez nombreux, c'est la soirée. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Ah, il a fait la publicité racoleuse. Quelle publicité tu veux faire? Je vais vraiment connectez-vous. Je vais faire la publicité. Je vais organiser les aides. Hé, le Fombo, tu as aidé ta famille? Depuis que tes parents t'ont envoyé en Beng, tu as aidé qui dans ta famille pour venir commencer à vouloir frapper les gens pour aller aider ta famille avec? Le Fombo, aide d'abord ta famille. Comme j'ai parlé de toi, tu es devenu l'ONU, maman. Il va organiser, on va aller mandong j'appelle un vieux pot comme ça qui vient sur la toile, mandong j'appap. Tu es tellement ridicule. Tu es tellement ridicule. Voilà. Tu es ridicule. C'est les contours. Et les mandong, tu es ridicule. Mais attendez, vous n'avez pas de goût. Il y a ce qu'on appelle le goût. Quand on est agréable, écoutez. Quand on est agréable, regardez. Mais regarde-toi. Mais attendez, je vais mettre un peu sa photo. Je ne peux pas finir. Regarde-toi. Il y a les gens qui sont agréables à regarder. Et les mandons. Voilà l'autre. Je vous donne un peu le CV du chauffeur des ténébreux, des ténébrita. Je vous donne un peu son CV. En fait, mes gens, pardon, ne riez plus, elle va être sérieuse. En fait, ancien pasteur que vous voyez là, son nom sur sa page, c'est Black Kumkum, alias Black Pussy. Pussy que vous voyez là, c'était une ancienne pasteur. Pussy avait une page auquel elle parlait rien que de l'église. Tête de papin Borosangue est parti la chercher en renfort. Que laisse-moi la frappe là, tu viens, j'ai le... Là-bas, quand tu vas dire même Alléluia, on va seulement dire que Amen, papin. Poussi a laissé l'église. Poussi que vous voyez là. Elle a laissé l'église. Maman a pasto. Elle vendait les parfums. Elle appelait les gens. Explique-moi ton problème. Je fais les consultations. On me paye. C'était son travail. C'était son travail. Le travail de Poussi que vous voyez là. Comme elle a comme ça, je vais quitter, je suis maintenant électron libre. Poussi, c'est ancien pasteur, alias Escronga. Elle a escroqué les gens comme ça. Tu as tes problèmes, fais la consultation. Tu me payes. Mais je ne suis plus dans les teams. Tu n'es plus dans les teams. Rends-moi la tête percée là. Tu as commencé ton bloc de bracata en me clashant. Tu te reposes, non? C'est maintenant que ma part commence. Non! Non, 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 non.
Tu ne vas pas quitter dans ça. Non. C'est maintenant alors que j'ai le goût. J'ai le goût de te lyncher. Et ça ne chauffe pas. Tu vas bouffer un petit djangui chez moi. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu pars comme ça comment? Tu m'as insulté. Tu as lavé ma faux ici, là, nous tous on a vu. Tu as lavé tout le monde. Tu dis que tu vas go comme ça. Non. Tu vas bouffer poussi. Koum koum. Tu vas bouffer. Comment elle est devenue il y a même pitié de... Elle est sale fille comme ça qui ne se lave même pas. Quand vous regardez, elle se lave. Shishwashi. Elle est là comme quelqu'un qui n'a pas bu l'eau depuis même 2 mois. Toujours là, jouer net comme la voix de crapaud. Hein? Les mêmes races. Même paix. Il n'y a pas de différence. Même paix. Il n'y a pas de différence. Poussi. Attendez, je vous fais voir l'autre qui dit que wow, je vais faire, tu vas quitter de la n'importe quoi. Attendez, les têtes percées, les filles, quand tu les regardes. Attendez, je cherche la photo de sa patronne. Hein? Regardez Poussi. Regardez Poussi. Siam. Regardez. Maman. Yo. Poussi. Poussi dit que non. Elle ne veut plus elle être chauffeur des ténébreux. Qu'elle a démissionné. Poussi. Avant de démissionner, tu vas bouffer. Tu vas bouffer les noms que tu as cotisés. Tu as fini ta maman, non? Maintenant, tu veux redevenir pasteur. Tu vas d'abord bouffer tous les noms que tu as cotisés chez moi. Et ça ne chauffe pas. Il ne coupe pas. De ma voix de crapaud. Il ne coupe pas. Je vais quitter. Tu vas seulement rester chauffeur. Tu n'as pas honte. Avec tout ton... Vous entassez en masse pour aller vous verser en bain. Devenir les chinda. Devenir les chinda. Tu as laissé tête de papa. Bororo. Tu as laissé Mbororo. C'est ta fidèle de l'église, non? Tu faisais la thérapie. C'est toi qui lui faisais la thérapie, non? Poussi. Black Poussi. C'est toi qui faisais la thérapie à tête de parfum Bororo, non? Puisque tu es pasteur, tu vends les parfums. Pardon, donne aussi pour voix de crapaud. Bah, elle est minable, celle-là. Elle est minable. Donne-lui un peu ton parfum, Poussi. Prie sur elle. Elle en a besoin. Voix de crapaud a besoin de tes prières. Elle a besoin d'elle. Tu peux aussi, tu es encore dans la team des pipimania. Et tu veux aussi gratter les murs à Bako. Je vais devenir. Ici là, dans la lumière, on n'utilise pas les gens comme chauffeurs. Non. Dans le clan de la lumière, nous sommes les VIP. Chacun pose sa camaille, fait ce qu'il veut. Merci, Abiba. Chacun pose sa caméra. Il dit, il fait comme il veut. Hein? Nous sommes les VIP. Toi, tu vois, nous sommes VIP, maman. VIP. Non, hey, pas de pression. Si on veut t'encourager, on t'encourage. Si on ne veut pas, on t'encourage pas. Déjà, mes cœurs, vous connaissez, non? Pour encourager votre lionne. Il y a les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez même les étoiles. Pour tous ceux qui ne voient pas les étoiles, vous avez mon Orange Money et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. On n'a pas besoin de se salir, de devenir les chauffeurs. Oh, on conduit la Mafo. Quand Mafo arrive au Cameroun, la lionne au volant, elle utilise sa fille pour la conduire. Yeah! Maman, on t'a utilisé. Yo, ngopungo. On peut utiliser quelqu'un comme ça, maman. Quand je suis arrivée chez la Mafo, maman, Mafo ne voulait même pas qu'elle touche l'assiette. Mafo ne voulait même pas qu'elle me dérange. Elle m'a traitée comme une princesse. Mafo ne voulait même pas que mon corps eût, que je me salisse les ongles. Quand je fais même comme ça, là, un peu comme ça, on voit un peu la saleté dans mes ongles. Hein? Yeah!
Poussi. On peut utiliser quelqu'un comme ça pour rien. Poussi. Merci, Wash, pour les étoiles. Voilà. Au moins, je sais qu'on voit les étoiles. Poussi. Il a dit que quand j'étais chez la Nomba Uno des réseaux sociaux, il a dit qu'elle a même touché l'assiette. Elle dit non, ma fille. Hein, la mafo avec tout l'amour. Non, ma fille, non, laisse, je vais faire. C'est quand elle était dépassée, qu'elle acceptait même qu'elle porte l'assiette. Merci, divine, pour les étoiles. C'est quand elle était dépassée. Poussi. Maman a chauffeur. Oh, le chauffeur des pipimania a démissionné. L'utilisation du chauffage et de ça. Yo, tu dépenses ton carburant, tu dépenses ta voiture, tu dépenses tout ça pour rien. Même le pata de ton émission, rien. Hmm? Au contraire, tu vas voir que Général Pipimania est dans les noirs en train de citer ton nom pour que ça ne progresse pas. Hein? Il faut prier. Hein? Là où tu es parti, là, c'est les ténébreux. Prie. Merci, Félie. Tata Félie. Où c'est tonton, oh? Va prier. Tu vois comment le Fombo est devenu, non? Elle est devenue du comme le bambou du village de Baham, là. Comme la canne de Baham. Oui, elle a vu la canne à sucre de Baham. C'est dur. On compte sur ta tête, tu t'as une fois. Waouh, poussi. Ah, c'est hein? Vraiment, moi, je ne sais pas. Il t'utilise, il te jette même comme ça, sans même te payer. Rien. Sans dédommage, le chauffeur de ça. Yo, on peut utiliser l'enfant. Non, ce n'est pas bien. Les pipimania cotisés, vous lui donnez quand même. Ya, yeah, c'est quoi ça? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On ne veut pas savoir. On sait que c'est gratuit. La lionne ne mange jamais. Yo, poussi, poussi, toi, tu as sacrifié tout ton corps, aller en Beng pour devenir chauffeur. Donc, tu as abandonné même l'église, abandonné Dieu pour aller être chauffeur des ténébreux. Te voilà, même te laver, tu n'arrives plus à te laver, te cœur, rien du tout. Pardon, celle-là, je ne veux pas trop m'attarder sur elle, on a notre cible. Les pleurs du Mbolé. Je suis maintenant électron libre. Oh là là. Oh là. Celle-ci alors, c'est la guerre. Ça pue la merde à distance. Hein? Maman. Ça se quoi? Ça se voit. Regardez l'autre ici. C'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible, wesh. Et une senteuse, les toutes des pourritures. Elles viennent toujours. Ouais, même sa photo là. Hein? Attendez, elle veut mettre tout le ndoti qu'on a vu. Hein? On a vu tout un tas de ndoti derrière la maison de l'Ofombo. Je mets. Oh, ah. Je mets pas pourquoi. Je veux mettre. L'ondoti derrière la maison. C'est elle qui vient dire que, oh, faut que, oh, c'est moi. Regardez. Regardez vous-même. Regardez derrière la maison. Regardez. Yo. Tout pour elle, c'est venir s'asseoir. Merci pour les étoiles, mes cœurs. Bisous. Tout pour elle, c'est venir s'asseoir. Fladeline. Fladeline, hein? Regarde ta maison, incapable de te nettoyer ta maison. Hein? Là où tu es même assise, ça Numba. Hein? L'écartement de fait qui pue la merde, c'est toujours toi qui va venir t'asseoir pour nous parler. Regarde le derrière de sa maison, l'endroit est plein. Elle n'a pas le temps, hein? Les enfants partent chercher l'argent. Elle est sur Facebook, elle se pavane. Oh, merci ma Abiba d'amour. Elle est sur Facebook, elle se pavane pour chercher le nom de Fladeline. Fladeline. Ngewo, tu construis ta maison, qui va entretenir? Toi, tu as construit ta maison. Même si ma faut construire sa maison et ses frères entretiennent, c'est encore mieux. Toi, tu as construit, tu as laissé au Cameroun, qui entretient? C'est pas le show.
Un homme qui t'a bindamé que les enfants, il t'a laissé que oh, tu vas seulement que souffrir pour nous nourrir. Si moi, faut qu'on suit et ses frères restent dedans. Entre toi et elle, qui est mieux? Hein, tu as constaté, il y a les agences qui ont fait ta maison. C'est le gagnant-gagnant, mais c'est normal. C'est une star. Tu dis que tu es star. Qui t'a contacté pour quelle publicité? Tu prends tes sales pattes pourritures de mettre. Tu viens faire la publicité des soirées des gens. Qui t'a envoyé faire cette soirée? Personne ne t'aime aux États-Unis. Personne. Hein? Personne. Tu es sale comme tout. Une poubelle, une espèce de poubelle qui vient nous puer la merde sur les réseaux sociaux. Hello, FOMO. Tu n'es rien, va t'occuper de ta maison. Coucou et sommet. Va t'occuper de ta maison. C'est pas possible. Va nettoyer ta maison. Mais regarde ta maison. Et c'est toi qui viens parler à ma faute. Hein? Une dame qui est en train de construire un duplex. Hein, pour aider, même si c'est aider sa famille va rester dedans. Toi, ta mère paye ta pension, paye tes études, ton voyage, paye tout. Hein, pour que tu aides ta famille, tu as aidé qui? Je vais faire la collecte pour aider les Camerounais. Ta famille souffre. Hein? Tu as fait monter qui de ta famille? Même tes propres enfants. Tu as fini de les faire monter en bain. Et je dis, je regrette. Et mon mari et moi, regrette ton mari et toi. C'est toi qui as construit la maison. Tu as construit la maison sur le terrain de ton mari. Et c'est la maison de ses enfants. Et mon mari et moi, on regrette. Vous regrettez quoi? Que c'est pour toi? C'est pour toi? Hein? Tu penses que tout le monde est comme toi? Regarde-toi. La merde, la bouche, la langue est blanche comme la langue de quelqu'un qui a fait une semaine sans se brosser. Hein? Regarde la poubelle derrière. Et tout ça, ça sent. Hein? Ça sent. Mais comme nous sommes face à l'écran, qui va comprendre? Une sale femme comme ça, là, tu viens te pavaner sur les réseaux pour polluer l'air. Il faut te respecter. Et les mangues dont j'appelle, les temps dont j'appelle, mais t'es ridicule. Comme Dikamé dit souvent, tu es ridicule, mais tu rien du tout. Il pétasse comme ça, dis donc. Il t'a dit que je sais, je vais venir à moins d'un an et va te dire, tu es né, maman. Tu es né. Même Coco Poitou qui disait qu'elle a tous les secrets, elle est passée par où? Elle a traversé les qui? On n'en fait qu'une bouchée de toi. Petite, c'est une sale femme. Hé, hey, tiche, regarde les hauts. Quand elle va encore parler ici, ça c'est les hauts de 1 euro. Hein? Ça là même, ici là, c'est doigts rames. Elle, tous ses vêtements, elle ne met pas plus de doigts rames sur elle. Ce n'est pas plus. Okay? J'ai fait la publicité des soirées. La reine des ténébreuses est en chômage. Elle est célibataire aujourd'hui. Donc tu peux l'inviter. Hein? On l'honore dans la soirée là. Mais si vous l'invitez, il faut l'arracher le micro parce qu'elle aime trop le rôle de DJ. Il faut prendre le micro, vous mettez ça à distance. Hein? Vous mettez ça à distance. Il faut prendre son... Quand vous invitez la reine des ténébreuses, mettez ça à distance. Bah, quand vous l'invitez, elle ne connaît pas, non. Elle ne connaît pas, elle est habituée, maman. Elle est comme, regarde l'autre, avec la bouche comme, la bouche écartée là, comme la nuque du chat. Hmm? Une femme, regarde, elle peut faire comment? Même 5 ans, 10 ans, aucun homme ne monte sur elle. Et tout ça, c'est nous qui allons souffrir. Bah, elle va venir nous pomper l'air. Vraiment? Hein? La soirée là, c'est une grande soirée. Hein, il faut aller à Houston. Venez découvrir Houston. Il faut venir valoriser ton pays. Dis ce que tu as fait dans ton pays. Tu as changé quoi dans ton pays? Tu es venu que oh, tu vas faire l'agriculture. Hein, tu as ouvert l'agriculture. L'homme t'a flatté. Tu as abandonné à l'homme. Mon mari, il a douane. Après, il n'a pas regardé l'agriculture. L'argent que tu as dépensé pour l'agriculture, tu as déjà récolté ça. Est-ce qu'il t'a déjà donné? Les petites filles ont tout mangé. Tout mangé. Tu es là-bas aux États-Unis, tu regardes la vie de ma fille. C'est sa vie. Ce sont nos vies qui t'intéressent. La vie qui est au Cameroun, là. Tu me vois? Regarde-toi.
Hein, la langue blanche. Hein, une fumeuse de regarder. Vieille peau. Hein, la peau là même ne prend plus le jansang. C'est toi qui viens parler des gens. Quoi? Si tu construis la maison là, qui va entretenir? La maison que tu as construite, qui entretient? Ce n'est pas le gigolo. Alors, Mafo a ses frères. Même si c'est le seul héritage qu'elle a laissé à ses frères. Que demain, ces femmes peuvent aller devant se filmer. Et payer pour aller là-bas faire leur film. Je vais te dire quelque chose, le FOMO. Fleur Delis n'est pas folle. Flo, les maisons, quand tu fais les duplex au Cameroun, on loue pour jouer les films. Quand c'est un bon duplex, tu crois que tu n'es même pas à côté de là où elle pense. On loue les belles maisons pour faire les films. Tu es parti construire dans le village de ton mari. Hein? Il a tout pris, acheté les terrains. Tu as laissé quoi à Baranté? Hein, mais Tchoum, je suis Baranté, tu as laissé quoi là-bas? Hein, tu as allé prêter la maison des gens, tu as fait le deuil, tu es rentré. Hein, c'est resté là-bas, un sec. Hein, tu n'as rien du tout là-bas. On ne te connaît même pas. Pourtant, tu étais celle-là qu'on a dépensé pour qu'elle aille chercher la Amben. Pour venir construire la maison, changer la maison de Douala et construire pour le village. Tu prends tout ton argent, tu pars acheter les terrains dans le village de ton mari. Et tu viens me parler. Tu viens parler. Encore plus, tu viens parler de la Mafo. Tu parles de nous, tu insultes les gens. Mon frère, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Oh, tata Monique, merci. Merci pour les étoiles. Hmm? Bête encore du camé sur toi. Du camé, il a son chantier. Et on a vu, il a son chantier et le terrain. Tout, il a tout ça. Toi, depuis que tu dis que tu as conçu, on te demande, mais montre les papiers, rien. Montre même hein, la photo que là où tu t'es marié, rien. Tu n'as rien du tout. Mais en fait, mais de qui? Mais oui, je vais enlever, je vais chasser. Tu vas chasser qui? T'es rien. On te terrasse. Tu n'es rien, le FOMO. Toi, on n'en fait qu'une bouchée. Oh là là, merci Monique. On n'en fait qu'une bouchée de toi. Et c'est quand tu parles, même ça résonne dans les oreilles de Mafo. Oh, regarde ma gueule. Tu ne vois pas que quand elle sort, elle te lance un seul mot, elle rentre. Elle n'a pas besoin de trop se casser. Hein? Toi, tu pleures chaque soir. Tu pleures, tu lances la main, les pipimania tapent. Tu lances les pipimania tapent. Hein? Tu lances, on tape. La honte. Bêtise comme ça. Habille-toi confortablement comme une benguise, comme une, comme, comment dire, comme une stétoise. Et puis tu viens nous parler. Hein? Et puis va inviter hein, la reine des ténébreuses à votre fête. Tu as dit que vous avez la soirée. Tu as dit qu'il y a la soirée. Tu as fait la publicité de la soirée sur sa page. Pourquoi tu ne l'invites pas en Allemagne? Aux États-Unis. Tu ne l'invites pas à Houston, pourquoi? Hein? Elle n'a pas les papiers. Oh là là. Oh my God. J'oubliais. Elle n'a pas les papiers. Bêtise. Tu es incapable de lui faire les papiers. Tu as dit que tu as l'argent, non? Le FOMO, tu as dit que tu avais l'argent, non? Donc, tu peux facilement monter tous les papiers de la ténébreuse. Hein? Quand elle prête sa page, ça vous fait mal. Reste là-bas. Chinda. Mais quand elle prête sa page, ça vous fait mal. Reste là-bas. Une chinda comme ça là, tu n'as même pas honte. On te prend, on te cloue quelque part et tu crois que ça nous fait mal. C'est toi que ça fait honte. Je suis star, tu es star sur les pages des gens, maman. Tu es star, quitte sur sa page, tu passes sur ta page pour aller, non, maman. Oh! Ouais, God! Quitte sur la page de quelqu'un, tu passes sur ta page, tu deviens star. Depuis que tu transpires, hein, tu dis que tu es sur Facebook depuis et t'es trouvé. Tu transpires 12 000 abonnés. Quand tu as trop fait, tu coupes, tu fais. Mandant Japap, l'intendant Japap, venez le ridicule. Et tu crois que avec ton statut de oh, je suis aux États-Unis, tu es encore le genre que tu dois t'asseoir et dire l'intendant Japap, l'intendant Japap. C'est ridicule. Mais attends, c'est ridicule. On va retrouver vieux pot comme toi. Hein, tu mets ta vieille pongue, tu es marié.
une femme mal. Mais vous les hommes, quand vous épousez les femmes, il faut bien regarder le genre que vous épousez. Hein? Hein? Flo vous dépasse, Flo vous abat, merci. Il faut regarder le genre de femme que vous épousez. Quand vous ramassez les racailles comme ça, hein? Quand la vieillesse, hein? les hormones, hein? La ménopause leur fait en sorte qu'elles deviennent encore bébés. Elles viennent nous pomper, mais ne nous donner plus du travail, dis donc. Ça, c'est quoi? Hein? Mais regardez encore, elle est vilaine d'abord. Hein? Je ne sais même pas si elle s'est fait à manger. Elle pétasse d'abord que sa maison est sale. Regardez sa maison. Regardez le derrière de sa maison. Regardez sa maison. Hi. N'importe quoi. Hein? Vous tous qui parlez, hein? Et les voix de crapaud, celle-là qui pue, qui nous bat à distance. Hein? Et les batois, même là, le fombo. On vous regarde, on vous mélange, vous tous. Hein? Vous n'arrivez même pas à l'orteil. À l'orteil de la lionne. Pour encore dire que la mafo. Hey! Vous avez passé par où? Il y avait une mec à terre. Regardez-le. Il y avait une mec à terre. Tu as vu, non? Ton mariage, là, va aller en fumée. Tu ne vas rien comprendre. C'est toi qui poste la photo de ton mari. Et c'est toi qui traites avec les pipimania, hein, la générale pipimania qui pratique comme quoi. Tu vas comprendre. Hein? Comme dit Kamé, tu vas comprendre dans ta chair. Hein? Quand tu vas appeler ton mari, il va plus décocher. C'est là que tu vas comprendre. Il va te dire que non, mais attends. Attends. Mais je ne t'ai pas épousé, moi. Il a dit que si tu veux nous montrer que tu es marié, sors-nous l'acte de mariage. Ou alors tu nous montres la photo que tu étais à la mairie signée. Maman, avion, on reste. Maman, la racoleuse d'hommes, dragueuse d'hommes aux États-Unis. Hein? Tu es d'abord comme un homme. Tu peux encore draguer les hommes. Les hommes même qui ne sont pas des sans toutefois insulter la communauté LGBT. Hein? Les hommes qui aiment les femmes, tu peux les draguer. Qui vont t'accepter comment? Quand toi, tu es un homme. Transway. Hey! Oh, venez, oh. Maman. Attendez, allez, mes photos. Attendez, hein. Ouah, wow, Seigneur, vraiment, on a pitié de vous, hein. Mais tu peux faire quoi? Tu peux rien faire, on s'amuse avec toi, madame. On s'amuse avec toi, t'es rien du tout. Voilà. Oh, 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 venez sauver, oh, venez nous sauver, venez nous sauver, oh, venez nous sauver. Oh, venez nous sauver, oh, venez nous sauver, venez nous sauver, oh. Oh, Black Pussy, oh, Black Pussy. Tu as 20 noms à bouffer sur ma page. Oui, 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 oui. Sauf si quelqu'un vient te sauver, il m'appelle que laisse-la. Hmm? Qui? Le Fombo. Le Fombo ne chose pas pointu 30, 72. Elle chose pointu 28. Vous connaissez Johnny Bravo? Ma femme-là chose pointu 28. Vous parlez de 72. Ben, mettez encore le Borosangue. Sa pointu, c'est pointu 28. Ses pieds sont petits. La tête. La tête a tout pris le corps. Le corps musclé jusqu'à. Coucou ma maman Rose des Folies. La tête a tout pris le corps. Le corps, les pieds sont maigres, sont comme ça. Les chaussures, la pointure, 28. Le corps, taille 48. Vers les 3XL, hein, tout le haut. Pourquoi le haut? Pourquoi un habit entre dans sa tête sans problème? Le volume est bon? Si le volume est bon, vous mettez les cœurs en coupe. On ne fait pas plus d'une heure sur elle. On a aromatisé et puis on passe à reposer. Et ça ne chauffe pas. Oui, 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 oui. Nous sommes à combien, mes cœurs? Une heure de temps? Pas plus, hein? On lui donne pas cet honneur. Hein? Le Fombo, je suis sur toi. Hein? Tu es mon... Erika, tu es ma nourriture. Hein? Tu es ma nourriture. Je te mange... D'accord, Flo? Je te mange, je dis que je te mange avec toutes les sauces. Tu as compris? Je te croque avec toutes les sauces. Le litchi de ma fosse, c'est déjà près de 5000 euros. Tu viens poster sur ta page que les qui vont cotiser. Depuis que tu bavardes là, les gens ne font que cotiser.
Les gens ne font... Hey, dès qu'elle reçoit un petit agent comme ça, là, je retire ma paix. Même si je ne veux pas mettre beaucoup, je mets seulement pour contribuer. Oui, je mets, je contribue, c'est la reine. On doit contribuer, nous tous, à sa réussite. On a le droit de valoriser notre pays. Même dans les canyons de Ducamé, on va cotiser. Même si quelqu'un met 5 000, ce n'est pas petit. On encourage ce qui est bien. Tu viens dire aux gens que les gens mettent les cagnottes pour construire la maison. Toi, ta reine des ténébreux là, elle a mis la cagnotte hein, pour fêter l'anniversaire. Tu n'as pas vu hein? La cagnotte pour les make-up. Tu ne viens pas sensibiliser. Hein? Tu viens t'occuper de nos paires de fesses. Elles sont déjà même. On va cotiser. Oh là là. On va cotiser. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Pétasse, va. Voilà l'autre. Elle vous a abandonné. Vous voyez comment elle est triste. Elle dit que, wow, elle n'est plus sur ça, elle n'est plus chauffeur. Chauffeur des émissions, maman, pasteur. Maman. Mais que nous sommes à combien d'heures? Dites-moi non, vous ne voulez pas me dire pour qu'elle n'arrête pas. Le fond, maman, brosse avec toi. Hein, maman, la langue blanche. Hein, maman, na concubinage. Un homme te dit bonjour, tu construis la maison, tu ouvres tes lasses, il met l'enfant. C'est toi encore qui t'occupe des enfants. Tu viens pleurnicher les maisons des gens. Hmm? Tu viens pleurnicher les enfants des gens. Hmm? Tu pleurniches partout. Un Facebook ne respire plus. Et bien, tu n'es rien. Toi, je n'en fais qu'une bouchée. Tu ne vois pas que tu es ridicule. Tu viens sur la page de la reine des ténébreux. Tu fais la publicité d'une fête, d'une soirée, hein, et tu ne l'invites pas. Donc, c'est l'argent qui vous manque pour la déporter. Mais les abeilles sont, ils mettent leur reine mère à l'aise. Mais c'est ça la différence. Ils mettent leur reine mère à l'aise. C'est-à-dire que quand ils ont leur soir, quand il y a n'importe quelle fête, les abeilles s'organisent à ce que leur reine mère soit là. Ils mettent le pactole, c'est-à-dire que le pactole en jeu. Vous êtes seulement là, il soutient là, là, il soutient pipi. Elle n'a pas besoin de ça. Si vous l'aimez trop, invitez-la dans les soirées. Qu'elle ait les cachets comme ses copines. Et ça ne chauffe pas. Comme elle ne faut pas, elle prend à ses fans, elle prend pour ma pépé, elle rentre avec. Les deux sont contentes, elles mangent en solo, elles se suent leur bouche, elles restent tranquilles. Vous êtes venu vous pavader dans Facebook. L'élève m'a donné la page ici. Pour qu'elle vienne ici. Et ça fait quoi? Ça nous enlève quoi? C'est qui est sûr? Tu restes chinda des pipimania. Et c'est triste. C'est triste, c'est malheureux. Hein, qu'une femme terriblement mariée vient être chinda des pipis. Vient être chinda de la voix de crapaud. Une qui ne prie pas, l'on n'écoute pas, qui pue la merde. Là, là, qui pue la merde, hein, les sales filles qui viennent, les dirty women, qui viennent nous pomper l'air en méta. Une heure déjà, merci. C'est tout pour ce soir. Merci pour tous ceux-là qui m'encouragent. Merci. Ouais, quand il y a les étoiles, je peux continuer, hein. Quand les étoiles continuent comme ça, je peux encore rester, hein. Mince. Mais les gens comme ça, vous croyez que vous pouvez nous dépasser, maman? Avec quoi? Hein? L'OFOMO, il y a quoi que tu dis sur ma foule là, que tu crois que ça peut nous intéresser? Rien. Tu ne fais que des mensonges. Tu dis que wow, les sociétés qui l'aident, c'est parce qu'elle fait la publicité. Mais c'est normal. C'est une reine mère. C'est une star. Où est la publicité des pipimania? Les qui contactent les pipimania pour la pub? Pitiation for you. J'ai pitié. Toi-même qui es là, on m'envoie, non? Te voilà. La main faut aller publiciter parce qu'elle manque où jeter l'autre. Elle manque où elle va prendre et jeter. Oui, 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 oui. Il dit qu'elle manque où elle. Ma pépé est là-bas. Ma pépé a les publicités jusqu'à sa page est étouffée. Manuela, coucou. Manuela, bicha. Ma pépé manque où jeter les publicités.
Elle partage même. Elle donne même. Elle donne que aidez-moi. Oh. Hmm? Tu es là-bas. La reine des pipimania n'a pas. Tu n'as pas. Hein, tu viens nous ouvrir la caméra sur la page des gens pour nous parler. Hein, c'est comme si tu étais en location. Tu parles aux gens hein, qui ont déjà construit. D'abord que tu as d'abord construit même. Une qui n'a même pas construit. Il y a la maison, il y a ma maison. Quelle maison? La maison des enfants des gens. Oh! Donc tu as même les enfants encore au Cameroun, dans la poussière. Et où à Yaoundé? Hey! Oh, venez! Oh. Donc tu as les enfants dans la poussière au Cameroun. C'est le Cameroun. J'ai mon enfant qui est chaudonnier. J'ai mon enfant qui est ceci. Donc tes enfants souffrent encore au Cameroun. Hein? Bête encore moi. Tes enfants sont encore en souffrance, le FOMO. Au Cameroun, tu t'occupes de la vie de ma fou. Hmm? Qui a pris son fils déposé. Prendre sa mère déposée. Tu as été incapable de prendre soin de ta mère. Hmm? Il y a les bons produits aux États-Unis. Tu es incapable de prendre soin de ta mère. Tu arrives au Cameroun, tu finis la femme au tuyau avec l'AVC. Tu portes l'argent, tu donnes à l'homme. Hmm? Tes frères sont où? Ils sont là, dans la poubelle. Tu viens parler, nga, 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 partout. Et je vais faire, il va fuir en moins d'un an. Qui va fuir? Nous, on a enfui, on te gère. Regarde comment qu'elle parle de toi, on me donne les étoiles, on m'entretient. Hein? Tu es notre brosse, ça donne ce brosse, on jette. On jette. Tu ne sais rien. C'est pas qu'on se concentre sur toi, c'est qu'un mot, elle sort tous les jours sur toi. Coucou Doris. Oh, Nelly Panza, bisous. Hein? Toi, on se bosse. Si c'était que je te prenais comme un vrai adversaire que je veux te terrasser. Je sors chaque jour. Je me connais, non? Je suis d'abord impulsif. Je sors sur toi chaque jour et te mets à terre. Mais elle dit qu'avec toi là, je me broche. Je jette. Voilà ta soeur, Pasto. Oh, Pasto. Pasto a dit qu'elle n'est plus chauffeur, qu'on lui laisse tranquille. Maman, mais avant de partir, tu vas bouffer. Tu as cotisé 20 noms chez la Lyon. Tu as cotisé 20 noms chez Mafo. Ça fait 40 noms. Tu vas d'abord bouffer. Hmm? Tu vas bouffer. Maman, elle a eu tous les 4 enfants là avec, avec ses 40 ans là, hein, maman. Elle a eu tous les 4 enfants avec les 40 ans là. Ou l'autre qui ne met pas la dernière à mon âge. Hein? L'autre les bas chaudonniers. Les bas ceci. Hein? La mère des chaudonniers de ça. Maman d'un chaudonnier. Hein? Ma fille est chaudonnier. Puisqu'elle parle comme si elle veut crâner avec. La mère des chaudonniers. Tu viens parler à la fille de ma Anna. Hein? Tu viens parler de moi. Hein? J'ai libéré mes parents. Voilà tes enfants, ils ont presque mon âge. J'ai libéré mes parents à 21 ans. Voilà, tous tes enfants sont chez toi. Aux États-Unis, ils sont chez toi. Moi, j'ai libéré mes parents depuis 21 ans. Je suis très fière de moi. Aujourd'hui, je me bats toute seule. Je suis fière de moi. Tu peux venir m'insulter, le FOMO. Tu peux parler de moi, maman. Voilà la, le fils de Mafo qui travaille déjà loin. Il a un bon statut. Il change les vies des gens tous les jours. Hein? Tes enfants, là, ils veulent tout. Quand tu viens nous insulter, là, quel est l'exemple de ta famille? Où est l'exemple de ta famille? Maman a chaudonnier. Tu ne peux qu'être la mère des chaudonniers. Et ça ne chauffe pas. Viens ici, la mère. Mon fils est chaudonnier. Hein? Donc, tu parles tous les jours. Tu dis que je suis dans la poussière. Pourtant, tu as deux. Deux comme moi, ici au Cameroun. En plus, où à Yaoundé, dans la poussière rouge. Hmm? Le froid de ça, maman. Hmm? Il était d'abord au nord, maman. Pourquoi tu viens nous livrer ta vie? Pourquoi tu fais ça? Hmm? Dans le désert, donc il part. Je n'insulte pas mes frères du nord, je vous adore. C'est le clash, tout est permis. Hmm? Tu viens parler à une fille. L'enfant de Marie, l'enfant,
Une fille qui a libéré leur maison à 21 ans. Tu as 4 enfants, personne ne t'a libéré. Personne ne t'a libéré. Puisqu'Aline, tu dis que, écoute mon Dieu, c'est toi qui me commande, maman. Hopam, taga umba. Hey, méfie-toi, hein. Je ne suis pas un morceau facile à croquer, hein. Voilà. Hein? Waouh, le fombo. Aucun enfant ne t'a libéré. Nous, tes enfants sont à la maison. D'autres transpirent pour nous. J'ai libéré mes parents. Depuis. Quand elle fait, est-ce qu'elle peut encore aller dire que maman, maman, non. Le papa ici, elle vient ici, elle tape mon dicalo. J'ai travaillé, j'ai investi sur cette page. On dit qu'une erreur se produit. Produit comment? Cristaline dit qu'une erreur se produit. Comment? Il faut arrêter ça. Hein? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment, Ariel? Ça va et toi? Ça va, ça va. J'ai confiance en toi, maman. Pamponne-moi la vieille rondière là. Didi. Pamponne-la bien. J'ai confiance en toi. Mais voilà ça, que ça passe. Non, ça d'abord signalé qu'une erreur s'est produite. Bon, ça, oui. Ça d'abord signalé ça. Donc, ça, on te voyait plus. Donc, ça avait écrit une erreur s'est produite, oui. Mais c'était un problème technique. Non, c'était un problème technique de Facebook. Ah, non, ok. Ça va. D'accord. Oui, merci, Seigneur. Vas-y. Pamponne-moi l'angala. Hé, hey, c'est ma nourriture. Ouais. C'est ma nourriture. Je mange, je vomis, je mange. Hé. Hey. Elles vont égaliser la mafou. Elles vont seulement, pour finir, elles vont seulement aller mettre les têtes au bouton. La voiture va monter sur ça. Ma foi est bénie. Juste elle est gars. Les bénédictions de la ça. La femme là a un large cœur. Elle a un large cœur. Ma foi là. Je l'aime beaucoup, même beaucoup. Beaucoup. D'accord, ma soeur. On dit que le direct est en train de déranger. On va pas trop tarder. Tu sais qu'avec eux, c'est une heure de temps, non? On les passe le message, donc on passe rapidement le message et puis on arrête le direct. On ne met pas long, on frappe et puis. Ah, hey! Ça le coup quand c'est court. J'ai confiance. Est-ce que toi, je joue? Frappe-la moi, bien, mais blague même pas la lionne. Hey. On aura l'occasion de se voir un jour. Voilà. Je t'aime beaucoup parce que tu dis la vérité. Merci. Tu dis la vérité. Mal au football, là, il faut la traiter. Traite la nourriture. Bien. Oui. Hey. Blague même pas. Ok, on fait comme ça, maman. D'accord, ma grande, d'accord. Bisous. Je coupe, je coupe. Bisous. Non, Priscaline, je n'ai pas la force, sauf si tu lances chez toi là-bas. Pour eux, là, c'est une heure de temps. Je ne passe pas plus d'une heure sur eux. Elle, quand je framponne comme ça, là, j'attends, elle répond. Je reviens et framponne. Donc, je n'ai pas envie de trop m'attarder sur eux. Donc, je vais couper mes cœurs. Passez une très belle soirée. N'oubliez pas de télécharger l'application TapTap sans utiliser mon code promo Lyon237. LIONE237. N'oubliez pas d'aller cotiser dans le PayPal de la MAFO internationale. Hein, pour la maison de rêve de la MAFO. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas aussi d'aller aussi cotiser. Ducamé aussi construit sa maison. Allez aussi cotiser dans son PayPal. D'accord, bisous, Flo, vous abat. Bisous à tout le monde, bisous. Allez travailler, on a fait une heure de temps. Vraiment, on ne tarde pas trop. Bisous, mes cœurs, bisous. N'oubliez pas aussi, si vous avez les cérémonies au Cameroun et tout, contactez l'agence Chop et Gamel pour toute livraison des gamelles, même les deuils, tout ça. Donc, contactez l'agence Chop et Gamel. Alors, je suis en train de tester ma gamme de produits. Je vous reviendrai plus tard avec plus d'informations. Bisous là-bas, je vous aime. Merci à tous ceux qui ont participé à mon direct. Merci à Essomet Joanne de venir m'encourager. Merci. Bisous. Maman Performe, bisous. Priscaline, bisous. Bisous à tout le monde. Voilà. Bisous à ma faux. Bisous à ma pépé.